Ce lundi 27 septembre, Véronique Genest était l'invitée de Jordan Deluxe dans son émission disponible sur la plateforme télé Starplay. Sans complexe, l'actrice a évoqué son âge et son état d'esprit général. J'ai 65 ans cette année, a-t-elle d'abord lancé, en révélant être en pleine forme. Mieux même qu'il y a 5 ans, a-t-elle ajouté, en reconnaissant toutefois que ce n'est pas très rigolo de vieillir. Après, certainement qu'on va vers des âges qui sont plus compliqués à vivre, a-t-elle affirmé, en parlant de son corps qui a énormément changé au fil du temps. J'ai perdu beaucoup de poids et je suis revenue à mon poids standard, a déclaré fièrement Véronique Genest, qui était montée jusqu'à 100 kg. Sur le plateau de L'Instant de Luxe, la comédienne est revenue sur cette période compliquée durant laquelle elle n'arrivait plus à maigrir. Se remémorant ce moment de sa vie, l'ancienne star de Julie Lescaut a précisé qu'elle était bloquée par des gros problèmes personnels, de santé, mais aussi par des soucis avec son frère, son fils, sa famille. Tout ça a dû bloquer mon métabolisme, je me suis mise à grossir et je n'arrivais plus à maigrir, alors qu'avant, je prenais 5 kilos et je les perdais, a-t-elle expliqué, en soulignant qu'elle avait beaucoup de mal à s'affiner et faisait l'effet yo-yo, jusqu'à peser 36 kg de trop. Une actrice tentée par la chirurgie esthétique désormais stabilisée physiquement et ayant une activité sportive régulière, Véronique Genest se dit heureuse. Consciente qu'elle avance dans l'âge, l'actrice reste tout de même positive. La vieillesse ne me fait, j'essaye d'en faire une, il vaut mieux essayer de l'amadouer et se dire qu'on va être en forme longtemps, a-t-elle développé, en révélant qu'elle pourrait se laisser tenter par la chirurgie esthétique et par un vrai lifting total.